Johan, une fois encore, le coup est passé très très près aujourd'hui à Vingardella de la 100e descente Coupe du Monde. Épreuve Coupe du Monde ici. On y a cru, Moi j'ai cru, j'ai énormément cru. Même si j'avais loin de faire un ski parfait, j'ai senti que j'allais très très vite. Pour le coup, je vous cache pas, je suis un petit peu déçu en ce moment parce que j'ai vraiment cru à la gagne. Je suis tombé sur encore un monstre qui est Alex. Hein. Alex qui a fait une course parfaite, je pense, vraiment parfaite. Moi je suis loin d'avoir fait une course parfaite, mais j'avais vraiment des skis très très rapides. Mon technicien a fait vraiment un boulot extraordinaire aujourd'hui. Donc voilà, je suis un petit peu déçu pour le moment. Après, je vais prendre un peu de recul et je pense que ça ira mieux. Et je serai content de cette deuxième place plus tard. Mais pour l'instant, c'est la déception qui prime. Quatrième, deuxième, hein. Quand même, ouais. Un bon bilan ici. Ouais, c'est un super bilan. Non, c'est super. Je vais vite en ce moment. Je pense que j'ai une vitesse qui est bien dans les pieds. Avec mon technicien Seb, on est super raccord surtout. On se connaît par cœur. J'ai vraiment un super matos grâce à lui. Et puis, il manque un petit peu de réussite, je pense, pour aller chercher la victoire. Mais. Je vais essayer d'y croire jusqu'à la fin de saison, mais voilà, il ne m'a pas manqué grand-chose aujourd'hui. Est-ce qu'il allait vite? Il y a eu des moments où vous étiez vraiment à la limite. À la limite. Hein. J'étais à la limite tout le long. J'ai vraiment cru que j'allais vraiment dans les filets quelques fois. Je me suis rattrapé in extremis, mais parce que j'ai pris des risques aussi sur le choix de mon matériel avec des skis qui étaient un petit peu moins agressifs. Et du coup, les changements de neige m'ont fait un petit peu bizarre. Mais bon, voilà, le bilan est quand même génial. Et puis, je vais essayer de profiter de cette deuxième place quand même. 42 ans dans quelques semaines, hein. Ouais. C'est quand même génial aussi d'être le plus ancien sur un podium Coupe du Monde. Ouais, je l'étais déjà, donc ça change pas grand chose, mais ouais, je repousse un petit peu le record. J'échangerai quelques podiums pour une victoire volontiers, mais bon, c'est mon histoire qui est comme ça. Je pense que j'arriverai jamais à gagner, mais bon, réussir à faire un podium encore à cet âge-là, c'est bien. Qu'est-ce que Kildé a fait mieux que vous? Sixième, Nice. Kildé, bah, il a fait la chasselade parfait. Je pense qu'il a été extraordinaire dans le chasselade, il a été extraordinaire dans le haut du parcours aussi. Et puis c'est Kildé quoi. Donc c'est le meilleur descendeur du monde en ce moment et il le prouve. Voilà, donc de se faire battre par le meilleur descendeur du monde, c'est pas une honte non plus. Merci. Merci.